What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't. Je ne pensais pas à l'agriculture, au contraire, j'aimais pas ça, c'est curieux. Ah bon, bah ça peut quand, dire. Je crois que ça veut dire, non? Bah oui. Oui, bon, parce que j'étais complètement, complètement séparé de tout ce qui est terre et agricole quand j'étais enfant. Hein, parce que j'étais toujours soit en pension, soit chez ma grand-mère qui vivait bourgeoisement à Anisy. J'ai deux ou trois fois où je suis allé dans une ferme, c'était chez les cousins là-bas. Côté de Coucy-Château, ça me semblait bizarre la vie qui menait, et puis une vie triste. Oui, justement, comment c'était avant la guerre? Une ferme? Oui. Ah, c'était des grandes fermes, alors tu sais, ça ressemble, ça s'est toujours ressemblé, même avant, même après la, ah oui, après la guerre. Ça n'a pas tellement changé. Non, ça a été reconstruit, mais ça a été reconstruit à peu près comme c'était avant 14. Oui, alors donc je suis allé au collège de Soissons, je te dis, c'était encore la discipline. Discipline de fer. Ah oui, c'était, c'était la discipline napoléonienne, mais on n'a pas de photo de cette époque-là. Oui, là, là, tu sais, c'était presque barbare. Hein, c'était presque encore barbare. Et la cour, parce qu'il y avait trois cours. Il y avait la cour des grands. Les grands qui en avaient au fond moins besoin que les petits. Ils avaient une cour qui était tout près du jardin du principal. Le jardin principal, il avait un jardin magnifique pour l'époque. C'était un jardin magnifique. Il y avait des fleurs, des arbres. Puis ces fenêtres données sur le jardin, ça. Mais les élèves, c'était pas pareil. Mmh. Les petits, c'était un puits, c'était bien simple, c'était comme un puits. Eh ben. De chaque côté, les quatre coins de la, enfin, les quatre surfaces de la cour, pas surface, mais les quatre plans de la cour, oui, c'était des immeubles très élevés, tout au moins pour l'époque. Puis alors, les gamins étaient dans le fond, là-dedans. Le soleil, je crois, il n'y arrivait jamais. Puis tu avais les cabinets, là, donc, absolument comme les cours d'école. On sortait quand alors, hein? On en sortait quand, en fait? On en sortait tous les 15 jours. On avait droit à une sortie. On avait droit de rentrer chez ses parents le samedi soir et on devait rentrer le dimanche soir. Alors le samedi soir, les parents venaient vous chercher. Naturellement, il n'était pas question de retourner tout seul chez soi. Les parents venaient vous chercher pour vous appeler. Alors vous vous précipitiez, vous partiez, vous preniez le train, vous rentriez chez vous. On avait toujours des menus effroyables. Il y avait des repas, personne ne mangeait, c'est bien ça. Il y avait 80 types dans le réfectoire, c'était pas des pensions comme aujourd'hui, bien sûr, il y avait que les fils de bourgeois qui allaient en pension à cette époque-là. Oui. Yeah.
Quand tu étais fonctionnaire là, ben, on pouvait te dire l'année prochaine, je serai là-bas, puis c'était tout. Moi, ça ne me plaisait pas du tout. Puis encore moins d'être notaire ou de m'occuper des affaires d'autrui, alors que je considérais que je ne saurais jamais m'occuper des miennes, c'était pas pour aller s'occuper de celles des autres. Et puis les histoires d'argent, ça ne m'intéressait pas. Plaider pour la veuve et l'orphelin, alors que je savais que ça ne serait jamais que de plaider pour les canailles, parce qu'il n'y a que les canailles qui paient, alors ma foi, ça. Non, ça ne me disait rien. J'aurais peut-être essayé le professorat, mais comme je m'étais mis à faire du droit, hein, j'ai suivi naturellement beaucoup les cours de Sorbonne et de Collège de France, parce que ça m'intéressait, à cause de la littérature. Les cours de lettres m'intéressaient, parce que j'aimais la littérature. Alors, j'aurais peut-être, si je n'avais pas fait une licence de droit, si je m'étais lancé dans une licence de lettres, ça, j'aurais peut-être abandonné l'idée d'être de la culture. Mais comme je ne l'ai pas fait, et que je ne voulais pas faire une carrière libérale, et comme tant au fond on avait assez de la vie parisienne, à ce moment-là, on avait grandement assez. Ah, oui. Quand tu es arrivé à Fossé, tu t'es. À cette époque-là, il n'y avait pas de semaine anglaise. Ben non, c'est ça. Il n'y avait pas de congé payé. Alors, on travaillait. Nous en avions tous les deux assez. Toi, parce que tu travaillais. Il n'y avait pas de semaine anglaise. Et quand on allait chez le dentiste, il vous retirait 2 heures, 3 heures. Thank you.
Oh, ben, ma mère m'a été résignée. Quand j'avais dit que je voulais faire de la culture, elle avait commencé par pousser les hauts-cris. Elle avait dit, il n'y a aucune... Ta grand-mère, surtout. Ma grand-mère. Oui, parce que maman ne se rendait pas compte. Elle avait toujours... Ta mère t'aura du bon lait. Oui. Voilà. Oui, elle trouvait que je serais la source de tous les produits. Toutes les bonnes choses à manger. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Mais enfin, ça ne faisait rien. Enfin. Ma grand-mère était plus réticente parce qu'elle était plus près de la vie paysanne d'autrefois. Ses grands-parents étaient des paysans, surtout ses arrière-grands-parents. Et elle m'avait dit, tu vas retourner dans une condition d'où tes ancêtres ont eu bien du mal à sortir. Alors je ne vois pas pourquoi tu fais ça. Au fond, logiquement, elle avait raison. Elle avait raison. Mais moralement, elle avait tort. Logiquement, elle avait raison. Logiquement, elle avait raison. Moralement, elle avait tort parce que c'est pas parce qu'on fait un métier dur que le métier est déplaisant. Il ne faut pas croire ça. Ah oui, un métier peut plaire et être très dur. Un métier peut être ingrat, ne pas vous donner de satisfaction pécuniaire ou pratique et vous apporter quand même des satisfactions morales ou intellectuelles. Moi, ma vie à Fossé m'a énormément enrichi au point de vue intellectuel pour ma vie, puisque j'ai toujours aimé la littérature, la poésie. Bah, là, c'était une source de poésie inépuisable, cet immense plateau. Puis les paysans sont des gens extrêmement curieux à observer. C'est pas n'importe qui, un paysan. C'est bien supérieur. Pour un homme qui aime observer les autres, c'est bien plus intéressant d'observer des paysans que d'observer des ce que j'aurais pu voir, des notaires, ou des avoués, ou des fonctionnaires. Peut-être parce qu'ils sont moins conformistes. Et ils ne sont pas conformés, ils sont, c'est-à-dire ils ont une vie à eux, à part, c'est ce que tu veux. Ils ne sont pas démonétisés, ces gens-là. Tels que la vie paysanne les a formés, tels ils demeurent toute leur vie. Alors ils ont donc des réactions spontanées, si tu veux. Oui, c'est ça. La ruse n'empêche pas la spontanéité. On peut être rusé et spontané, si tu entends par spontanéité le fait de répondre d'une certaine façon quand le monde extérieur te sollicite. Thank you.
Je me souviens, en cinquième, on avait un cours de morale. Alors, on faisait donc, on avait fondé des compositions, comme pour le reste. Et un jour, le principal appelle, le proviseur, si tu veux, appelle ma mère, demande à voir ma mère. Ma mère va le voir, et elle lui dit, en parlant de moi, elle lui dit, ah, André, n'est-ce pas, c'est très ennuyeux, n'est-ce pas, et il a rendu une composition de morale, évidemment. Elle est excellente, il ne faut pas dire le contraire, et je me sens bien obligé de le mettre le premier, mais cet enfant-là a des idées effroyables. Mais madame, il faut lutter contre ces idées-là. S'il continue comme ça, je lui dis, mais il va être très malheureux dans la vie, il va devenir un réfractaire, c'est pas quand je dis pas réfractaire, mais enfin un anarchiste. Il va devenir une espèce de bonneau, parce qu'il ne s'agissait pas de commenter les vers de Hugo, et moi, vraiment, j'étais parti à fond là-dessus, j'avais dit qu'Hugo avait bien raison, que les pauvres, etc. Ah, tu vois tout ce qu'on peut dire, du temps de Jules Vallès, tout ça, hein, c'était tout à fait, c'était enfantin, c'était naïf, bien entendu, ça n'avait aucune crainte à avoir, mais tu vois à quel point on était rigoriste, et à quel point les idées étaient conformistes. Tu n'avais pas le droit d'avoir d'autres idées que celles qui défendaient la société. Sinon, c'était très dangereux, et si tu étais un enfant, il fallait que tes parents luttent contre ça, parce que ça ne pouvait amener à l'enfant que des ennuis. Moi, comme ça a changé. Hein. Ben oui.